Bonjour les filles, on se retrouve aujourd'hui avec un atelier cuisine pour faire des gâteaux super mignons qui régaleront vos invités. On a choisi de travailler avec un 4 quarts, mais vous pouvez travailler avec un moelleux de votre composition. On commence par émietter le gâteau pour obtenir des miettes qu'on va pouvoir facilement façonner. Pour que le gâteau soit plus compact et plus facile à façonner, vous pouvez ajouter quelques gouttes de crème liquide. C'est le moment, on remplit généreusement les moules avec la pâte obtenue et on les referme en serrant bien fort. On réserve les moules au frais pour qu'ils prennent bien la forme et qu'ils soient suffisamment compacts pour être glacés. Pour le glaçage, on utilise un blanc d'œuf auquel on ajoute 200 g de sucre glace et quelques gouttes de citron pour le goût. Vous aurez bien sûr toutes les mesures en barre d'infos. On mélange pour obtenir un glaçage très homogène, puis on y ajoute le colorant. De la couleur de votre choix, bien sûr, nous, on a choisi rose pour pouvoir servir nos gâteaux lors d'un enterrement de vie de jeune fille. Côté déco, on étale délicatement le glaçage sur nos étoiles fraîchement démoulées. Pour avoir un contour net et sympa, on peut utiliser un cure-dent. Pour finir, on décore à sa guise les étoiles glacées pour une superbe présentation. On laisse reposer quelques heures, le temps que le glaçage prenne, et on sert à ses copines pour en manger sans fin. À vos cuillères les filles, il est temps de passer en cuisine. À bientôt !